condamnation de mort, moko ya pièce maîtresse, ya ba klikouana azwami avec des armes. Donc bazuye la ba mindouki, ou eza penza ke mindouki, ou esengele zala, na toute une république, mais moutou moko azoko bomba yango, ba kangi yango, na yekuna donc eza, moi pas si, papa wana po abima. En tout cas, ceux qui coopèrent la justice, alors peut-être que Makamboko sera allégé. Mais ceux qui ont coopéré la justice, on a la condamnation de mort, ceux qui ont coopéré la justice. Et Paul Kagame a rêvé debout. Lorsqu'il pense qu'il peut dominer la RDC, c'est l'histoire d'une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et ça, Sony, Nathan Otozali. Il y a 21e siècle, aucun document, le président Moko a se proclamé un dominant. Tout le monde a l'égard de dominer les autres. Je suis seigneur de guerre. Le président Félix a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, un président de la Tozali a dit qu'il s'est programmé en chef de guerre. Le président Moko a prévenu déjà. Maton di mingi na binonyonso ba boné ya chaîne Oyabiso Moko Yokabaz, la voix céleste. Merci beaucoup na koyeba kozala branché na kati ya chaîne Nabino o to singi tango nyonso bo soutenaka na ba j'aime Nabino o s'abonana noté o s'abonner pe na lobby bienvenue et pas la mutu nyonso ko kota na kati ya émission mukola lelo toza mukolo ya vendredi le 17 mars 2023 elo tokolobela wa ba point ya rentrée parlementaire, ma déclaration fracassante au Siliko Salema. Qu'on a la carte à rentrer parlementaire et pas le président Nabiso Mboso. Nous avons dit que 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 Ayambaki bango bazaki na masolo mokonza mboka alobinini toba kobeta mwa masolo ya makambwana pe tokende kosikisa na mwa quelques communications a quelques communications nde tokosukisa na biso wana tokokende na biso na deuxième volume pe ezali to bandana nou un peu na mwa situation sécuritaire to bandaki la fois passé to lobela ki la fois passé. Et moi, Mikolo, il est kaki mardi, mercredi, donc le 15, le 16. Moi, Kalmi, et Zalaki Nangambu, il y a S et la République démocratique du Congo. Moi, Kalmi, wana et Salemi Ponanini, au moins, repli stratégique, Moko, et Bandaki Kosala Manangambu, il y a 1-23, pour Nabaya se focaliser. Naba côté à Runioni, naba côté à Kilimanioka. Diana ba côté bazoko se focaliser ti côté à Kibumba à côté ba Niragongo wana pona ko se renforcer ko zo renfort mususu ezouta na ngambu ya ba Tanzanie ezouta na ba Uganda ezouta na ba bisikana bisika appuyé par la communauté internationale pona ko ba ko sala asso sur Goma parce que baza déterminé qui va monter dans quatre mboka ya Congo vraiment na lire do kende ba ngi ba raté République démocratique du Congo pona to ke na biso na ngambu ya Russie. Alors, à tout prix, il faut par la force la République démocratique du Congo, surtout que Nako Kangama et Mwanga Chuchu et Sali Penzama Ben Makasi Nangamu na Bango, parce que Mwanga Chuchu a la pièce maîtresse na Katia Bango na RDC, Moutazaki na Kati Penza, avant de coordonner Penza, sortie, entrée, financement, il y a un groupe armé, Kopé Sabango Mandouki, tout ça. Et ça, c'est pour cette raison que tout naba renseignement, naba information autour de Nango Mwanga Chuchu yé aza complice naba tout bien ou déjà aza complice ba généraux ba hommes politiques ba députés provinciaux ya kuna ka na kati ya S ba députés nationaux ya S kuna pe bele na kati ya mboka Kinshasa ba députés nationaux kaka. Et bien, les complices, malembe, bazo, que nous citons, bango, baza, na kati ya liste, moko, ou yombo, soit l'obaki, que dans peu de temps, beaucoup zala livré, na kati ya justice. Société wana, ou SMB, ou les alaki, que yé,
abandaki ko gérer papa o mwanga chuchu ezalaki na une société d'après ba makambi ya CC tozoka ezalaki na une société ya un juif américain mais yi abotola kango ko botola parce que yazalaki muta makasi ana surtout na terre ya kabila vraiment azalaki muta makasi ni abotola kango ko botola na maboko ya juif américain wana edere ba funda na kati ya ba instance ya Amérique pe ba yakiti na mboka ya RDC pour na kolandela makambo wana afin que société ezonga na maboko ya mboka ya RDC afin que RDC a profité nango pour efutaka nango texte et puis secrétaire de défense boko na l'état té alors bato wana ba ya afin que société ezonga na maboko na bango afin que l'état a profité nango na ba taxe pe na biloko nyonso oyo l'état asenga kana société. Mais baya il paraît et pas ya papa Mboso il paraît baya papa Mboso mais papa Mboso a permettait bangote parce que to yebika que papa on a za qui redoutable ba bandaki ko banga ye vraiment a banda ko bangisa donc ya ba loko tala mutute c'est pour cette raison ba tu bazaki na bango ko banga banga ko banga banga ko kota kana makambu na ye donc to kolo ba to ko bwa ka mbeba et pas ya président Mboso te mais c'était aussi pour sa vie hein, pour prévenir sa vie. Yango asala ki yango mais il y a le bateau que non papa Mboso n'a boué la qui ba juif américain on a pas la raison de la société et ça la qui n'est pas ça qui complice non nous t'as la zala qui vraiment redoutable peu abandonné côté la mutuité la veut la capacité de faire n'importe quoi peu nous t'as que le bateau communauté internationale des zala qui pio la bango il a enrichi le Rwanda il a fait du Rwanda le premier producteur de coltan il a fait de beaucoup de sociétés na katia Amérique Europe Asie a commissa bango ba milliardaire donc c'est quelqu'un qui a vraiment des partenaires dans le monde occidental et dans le monde oriental. Alors, Azaki est un peu de mon tout. Il y a des gens qui ont été société wana ezo battu la main dans le militaire rwandais. Voilà, si on a eu la main, on a eu la sécurité, mais c'était des militaires rwandais tout fait. Mais ça prend grave. Et puis, c'est là qui a coupé sa révélation. Mon coquet, papa, mon pays, il est à la base, il y a un ADEF, na katia Beni, territoire de Beni, la katia Nord Kivu, il y a la base. Parce que ça, là, côté Beni, il y a Beni, la population, parce que ba côté, là, ba la population, il y a côté, ba coltan et Zalaka. C'est pour cette raison, on va comprendre que même, en tout cas, quand même, tout le monde a armé, un groupe armé, côté là. Il y a Nord Kivu côté Masisi, côté Rutshuru, il y a quelques wana pe a armaka, ba ADEF côté ya ba Beni. Donc nous on a la révélation et il y a qui ma soki et bi makate des années passées. Alors avant de comprendre ça, comment il faut qu'on faire évader na kati ya boloko plan et utaki partout de partout hein et nanzela ya Rwanda et ko kota na kati ya mboka ya Congo qui sont capables na kati ya mboka pour la ko faire évader papa ou la katia boloko. C'est pour cette raison, en tout cas, tu as dit que tu as dit que tu as dit que chargé de sécurité que tu as dit que tu as dit parce que notre sécurité en tout cas dit que tu problème dit situation tu as dit que tu as dit à la loupe et ba dossier sur ba dossier oyo bat bazolinga ba ko bebisa ba ko buka haute cour militaire pour la baye ba dossier mais ba dossier là si ça la mis déjà na ba plusieurs exemplaires ba photocopie donc si ti na mis déjà na ba poto na ba Amérique na ba Europe il y en a yé mo peut garder peut-être ba ko PCP ba exemplaire hein pour la ko ba ke bon bizwa pe ya yo exemplaire parce que ata ba nerve bizo ça là et que Simba n'a pas été détruit, il détruire. Y a déjà des exemplaires. Il y a beaucoup de détruits, mais la copie nous sous Ezali. Donc nous devons être vraiment dans la joie, un soulagement que Moko ya pièce maîtresse, il y a un clic à Zouami avec des armes. Donc Zouami est un Mindouki, où il y a un Mindouki, où il y a un Ezala, il y a toute une république, mais Moutou Moko a un bomba, il y a un Kangi. Naïkuna donc ça moi pas si papa on a pas bima en tout cas ceux qui coopèrent la justice alors peut-être que Makambo ko zala allégé mais ceux qui aboyent ko coopèrent la justice on a que na condamnation de mort ceux qui aboyent ko coopèrent na justice alors bilo qu'on a nionso des osa la kemoka Congo vraiment il y a un changement bilo qu'on a jamais on écoute un régime passé donc il faut reconnaître quand même c'est que le président Félix Tshisekedi aye comme mimanaka tiamboka comme changement il faut quand même le reconnaître.
réunion il y a bah patriotes et salamaki na kati ya Nord Kivu tango basili koyoka ke Nord Kivu eza enquête il y a bah M23 pona ko côté la yango parce que ils allaient vraiment attaque ya makasi bazo bongisa à partir de renfort au bazui na ba français ba pc ba ba anti missile solaire pona ko beta ba vieux na biso pe ba projet e bele bele minduki ya makasi e bele ba pc ba parce que c'est dernier rempart il faut que ka salama parce que RDC ba boyka ka dialogue donc il a plus rien autre forme de procès ba kinde ka na bitumba ba mai mai ba groupe ba patriote ba yokiango ba sale ki pere na ba banda mokola le 16 mars c'est qui mokola le merc jeudi les 16, ils avec lobby, ne pas saler que réunion na bango ba lobby en tout cas, ceux qui kaka goma et meki kozuama na maboko ya ba M23 biso to côté Rwanda. Biso peut que attaquer Rwanda. Ne na yango tango Kagame asiko yo kapé na nzela ba renseignement na ye, ye asiko pegisa que jamais population ya Goma ba kende susu ba traverser frontière ya Rwanda kota kasindi wana jamais et ko sala masouté ba ngopi ba ya souté donc pona Kagame asir ko kanga frontière pona ko banga ke tango ba M23 ba kokota tango ba bloki makuna ba mai mai ba kokima elongo na bango pona ba kende ko attaquer Rwanda alors bango ba kanye déjà que non en tout cas plus de kokota plus de kobima na kati ya frontière ya Goma. Donc à Pékissi, ba Goma tracé population à Goma, ba kota sur Rwanda te pona kobanga, ba mai mai ba kokota pour ba kende ko attaquer Rwanda. Nde biloko wana yango ezoleka Thierry ya ba civil ezo salama kola na kati ya Kibumba. Ba tanga zo bima na kati ya Rutshuru na bamboka misusu na bakili ba Kibirizi ba zo bima ba M23 bazwa ki ba mbanda na biso ya mboka ba memela bango ba koli ta ba memela bango ba koli ba komi na Kibumba ole bazonga na bango bazaki 19 personnes ole bazonga sa bango kuto ta ba kufuta bango na ba sili ko boma bango 11 pe 9 nde ba sili ko mona na te nde ba ke kuta bibembela bango etanda makaka bongo c'est ça qui a fait vraiment que batu ba loba me batu bazana ba am nini ce sont des animaux ce sont des donc des robots qui n'ont pas de raisonnement ou bien vraiment ezanine c'est pour cette raison tout le monde a déjà que bateau baya te pour la koya penza na ndenge balobaka baya pour la un but pour exterminer ba autochtone peut bâtir au ya bango peuple et ça m'a déjà kuna en tout cas regrettable l'information là haute sur koyoka mais pour bangate quel que soit ma bongise na bango mokonza mboka pe azongi simate pour la préparation na yo mokonza mboka déjà bandakala aibisaka déjà Kagame que la population rwandaise n'a pas de problème avec la population congolaise. Nous, même le gouvernement congolais n'a pas de problème avec la population rwandaise. Et régime Oya Kagame, ce qui population rwandaise et c'est pelle que régime Oya Kagame et l'ongwa ba sengata sekura RDC. Donc le régime ya Kagame po ekuya bazala posa ba rwandais bazala posa o ba baye na bango régime wana bazala posa pe soutien ya RDC pour la libérer bangona régime ya Kagame. La population rwandaise n'a pas de problème, c'est le régime de Kagame oyo essayer comme ma passe na kati ya Congo. Alors si le Rwandais, la population rwandaise a besoin de se libérer, c'est alors par le soutien de la RDC ça sera possible. Et ça sonne na ta otozali il y a 21e siècle aucun de comment le président Moko a se proclamé un dominant ou tout monde quoi les gars dominent les autres je suis seigneur de guerre président Félix a dit ça bango a dit ça que Kagame que et ça moi sonné un président la Mkola Lilo Tozali a que nous se programmer en chef de guerre nous konza Moka a prévenu qu'a déjà union africaine tant bazaki na Addis Abeba si les terroristes de M23 et l'armée rwandaise ne quitte pas le sol de la RDC dans un mois, Paul Kagame portera seul la responsabilité. On est à Maloba, où nous conduisons le président Félix Tshisekedi, à Loba Katang, Bazalaka, na Katia, Addis Abeba, à Ipesaki, préavis, à Kebisaki, déjà Union africaine. Nebilo Kwana, Boyba Nakola, nous l'avons très très bien. Maloba, président Félix Tshisekedi, Boyba Kota Langobe. C'est pour cette raison que Kagame a fait la posa Kouzoa. Kozamboka na biso et ya ngomu Kozamboka aselaki koyamba kaka mikolo délégation ya ba militaire chinois et ya kiawa
Donc la militaire délégation Mobimba ya bande kona biso ba chino ba yakiawa pe ba beti masolo la bangona papa mokonzi yobi keto so kama quelques drones et utaka na chine mais papa mokonzi tondite asiri ko sala susu demande mon susu ya 10 drones susu hein, marque chinoise et ya 40 hélicoptères et ko uta chine et ya ndem konza mo asiri ko sala su commande mon susu ya 40 hélicoptères 10 drones 500 blindés au micro kutu ba blindé o ya kalakala oyo ezana ngo vraiment en bon état mais ezana ba officier militaire na kata FARDC ba komi na ba ko démonter ko panza ba nani yango ko teka kabiloko ndambu ndambu moteur bi pai oyo ba teke loko bi pai donc ko buka yango ko panza yango pe ko teka ka ba blindé na biso ndambu ndambu en tout cas eloko wana tozo décrire yango pe bande ko belé ba komilinga kitala ba pomanyanga loba yango ba officier na biso je ne sais pas ba officier ba uta wapi o ba zona makanisi ya mabe ko yeba na kozwa biloko ya mboka en tout cas na zoka ndenge ba audio ba video ba tinilinga ndenge mutwa tala kama kamu ya logistique ndenge azoko pekisa ka te bosuka wana bo continuer ko sala musala bino bo sala te ko demonter biloko ko panza ko panza yango en morceau pour nakoteka ngobi ndambu ndambu biloko mboka en tout cas eza bien te ba officier na kata FARDC ko zo ba blindé oyo sengele ke na kata bitumba ko banda ko panza ngobi teka ngobi ndambu ndambu moteur bateki oyo bateki o batterie bateki tout ça eza ndé vraiment la kata infiltration RDC eza na kata infiltration makasi ndé mo konza mboka azoko équiper sous armée parce que oyo biloko somo musubi mona na pinzate nzoka secret ko mona na ke ba musuba katango la mitrai kote ka biloko banda mundam 500 blindés robot missile ah oza la capacité ya robot ya ko beta ba missile na ndenge sengere 110 avions de chasse bazotinda daka ba musuba ko ba eh mona marianga ozoloba biloko wana ezo eh dan batinda ka biloko na Ukraine ba lo ba ka na télévision on a besoin de jouer la côté déstabilisation Munguna. Alors que Kébilo Kouzoya, comme ça, qu'on a pas banga, que nos bateaux ont besoin de casse. Donc, le président Félix Alubaka, ils ont sacaté. Ils ont blagué, ils ont besoin de l'obaye. Donc, assez préparé déjà. 10 drones, et soya. Donc, la Bélo Nouzoba M23, c'est Kabouzali. La RDC a fait la commande de 10 drones, 500 blindés, 40 hélicoptères, 10 avions de chasse. On a beaucoup de boyakaka. Alors, il y a une communauté internationale qui a été prise par ici et Souga qui réussit à Bundaka n'a pas été contre la grande puissance de la Russie. Mais ma Kambouana, il a créé la poutine de l'agression. Il y a une gamme de Russie, pour soutenir l'Ukraine, continue la gagner. Char de combat, il y a un léopard, ça dépend, il y a fabrication, il y a char, il y a chaque moka, il y a un avion, il y a un bongo. Mais pour la RDC, RDC est agressé par Rwanda, mais on est bango baza la sima, na biso toza agressé ndenge baza sima, ya Ukraine parce que Ukraine est agressé, bango baza la sima Rwanda qui agresse. Donc c'est maintenant le contraire. Et d'ailleurs, même la compte ya football, ba pesa Russie embargo. Donc a kobeta ba balité radier na ba compétition parce qu'ils ont agressé Muninga, mais ya biso Rwanda zo ko agressé RDC, FIFA ko twa vandeli bango kuna. Nous avons déjà que quelle complicité internationale, mais même si tout le monde ça va s'allier na katia gouvernement Rwanda, mais le gouvernement de Dieu sera rallié derrière la RDC. C'est ça qui nous assure. Nena yangwana Félix Tshisekedi avait prévenu l'Union européenne. Toke sous la information quoi pour la président Félix Tshisekedi vanda ki elongo na bandeko ya ba notable ya province orientale ba notable ya grand oriental donc bato Ituri otuele na batuele abisi bango boye pona makambo etali etali chez et wuti na makanisi na ngamo kote eza na yamba bandeko ya Ituri bandeko ya grand oriental nde bango ba pesa na makanisi ya koyeba ko installer état de siège. Ne pas comment vous condamnez là et vous taquinez la babita bango moko ni à talisi batu. Ce n'est pas mon intention, mes frères de l'Outouri qui m'ont donné cette idée.
pe na yambaka na chaîne moko boye ba délégation ba utaka Ituri ngai mwana manyanga ba ko kambaka G5 na yamba bango président na bango na ba quelques membres ya comité na ye yambaka bango na tuna bango président mituna c'est quoi G5 na kati Ituri ba lubi ke za 5 communautés victimes ya tuerie on ba zokuta na ngokuna pour là-bas plaider et pas gouvernement et pas communauté internationale afin que bas soit lissungi mais tant que bangonde bangonde avait dit ça qu'un gars avant mon conseil mboka le bango bangonde mboka bisa rabi saute au pesa mon conseil mboka président Félix Tshisekedi m'a canissé à côté état de siège ou un président il y a G5 Ituri à zo baisse de la bombe à son roi mais bango inquiétine la bango que bango pour la G5 basaki la pour ça état de siège dans aux côtés pour la insécuriser la population. Mais côté les secours que banda état de siège banda population azo bomba makaka aza sécurité mais du moins et ça qui avancé côté que bamiyi binyoso babande ko yiba bamenere babande ko yiba souti alors là ko bela mukonza moka ya peut-être ko changer gouvernement ko yiba ko changer ba animateur ya état de siège parce que on le peut-être a seulement effort moko ya ko kanga ba tionyoso bamiyi bazo yibela ba or ba minere nyoso na kati ya mboka na biso na kati ya parti wana mais éthiquement sécurité kaka ya population ezaka kati c'est pour cette raison babanda ko lela wana ko décrire que état de siège ça le côté parce que auto singela mo konza mboka sécurisation de la population mais jusqu'à là la population était toujours en train d'être tuée les lendu continuent toujours à tuer les codeco continuent toujours à tuer parce que ma communauté lendu bango ba pesa ka simbisi na kati ya codeco. C'est pourquoi mon conseil m'a tant que la dit ça à lobby codeco na tiango na même sac na ba M23 parce que bazo amener terrorisme na kati ya mboka na biso ndé ayoka ki vraiment malobano soala alinga ça sa table ronde ndé aswa ki masolo na bango à lobby bango que ça qui likalise na ngate et utaki kaka pa ya bino moko pour na makamba kagame ayebisi bango boye que le régime d'apartheid mono ethnique tout rwandais où Paul Kagame a rêvé debout. Lorsqu'il pense que il peut dominer la RDC, c'est l'histoire d'une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Avec côté la logique Kagame a utilisé politique régime d'apartheid mono-ethnique Tutsi rwandais pour installer en haut Tutsi power le pouvoir de Tutsi. Mais bazo sakana biso ndese bozana nini président Fanti bozana président Tina te bozana ngo biso ba communauté internationale bazo sima président biso malamu Rwanda ya bino bozo baka kulela kolela kufunda kufunda bokozwa nini wana ba Rwanda batu bazo babongo nzoka bozo bate programme président Félix azo bomisa na kata mutu na ye bino bomuna ye kaka leko pamba bozila habisi bango ke mutu abo azo kolela ko implanter régime d'apartheid mono ethnique régime d'apartheid mono ethnique tout rwandais alingi a dominer Congo mais aye bakango ke za nani biso na mulo kambaka babenga kango zundu grenouille la grenouille qui veut se faire plus gros que le bœuf pourtant ngombe azo ya grenouille azo kalisa ki ya ko beta ngombe hein avimba na vimba ne tanka ngombe ko ya pia a fini yango ka ezo ya. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi veut dire sur ça? C'est triste d'avoir quelqu'un président dans le 21e siècle moi, seigneur de guerre. Dans le 20e siècle, ils ont dit que Kala. Merci beaucoup. Nous avons poussé la bise dans le programme. Nous avons poussé la Loya Tchani, ils ont dit. Ingérence étrangère, il y a observatoire américain pour les élections libres et transparentes. Observatoire américain pour les élections libres et transparentes. Basiliko porte plainte et pas il y a Noël Tchani pour l'andenga Basiliko soit initiative. Il y a quoi ba pour ça la proposition de loi. Oui, de père et de mère pour la Koyeba Koumatisa. La présidence de la République, Moutouaza de père et de mère. Et c'est pour ici, organisme OT, Ezoaka Mbongo, Yabatu, Oyo, Bazo Salama, Benakata Congo, Koyeba Kouzoaka Minere, Yakongo Nanzela, Yamakila, Bangwana de Bazaba, sponsor Yaba, ONG Oyo, Bazaba, sponsor Yab, Observatoire Oyo, Ne, Lobbying Nabango, Kessala, Wepa Nabango,
pona baye ba na kono ba makambu oyo te ba porter plainte pa no tchani kula na Amérique pona bango que no tchani aza un sujet américain eza inadmissible que ye akende ko mema pour procès de loi na kati ya RDC non pona bango eko sala mabongo te parce que azo ba ko calculer conséquences ya makambu oyo ko landa te na sima ya proposition de loi wana quelle conséquence eko landa. Alors, bah, c'est là qui déjà qu'on doit avertir le gouvernement de Bango. L'Observatoire américain pour les élections libres et transparentes s'inquiète de la théorique discriminatoire contenue dans le projet de loi Nolichani. Cette proposition subordonne l'élection d'un individu à la haute fonction publique à sa naissance du père et de la mère congolais. Il s'étonne que le projet soit incarné par un citoyen américain comme Noël Tchani. Il est déplorable de constater que les idées à caractère discriminatoire s'est portées par un Américain au regard des dangers que cette théorie peut faire naître en RDC. Nous venons de prendre nos dispositions pour que Noël Tchani s'en explique devant la justice américaine. Et nous avons également interpellé le département d'État américain à ce sujet et nous attendons une réaction ferme, conclut Madame Covino. Anande, Ezamalo Babalobi. Wana, yoka, Noël Tchani, Makamalobi, réponse, Ndeto Souksawana, réponse à Noël Tchani, Wapisi Bango. Noël Tchani répond. La réaction contre le communiqué de l'Observatoire américain pour les élections libres et transparentes, AOFF, et Noël Tchani parle d'un chiffon dirigé en Zambie par la consommation des Grecs, Italiens, Israéliens. Et le Kwana, et Zabilo Komoko, et Salami Nakata Zambi, politique Moko, et Salami Nakata Zambi, Baketik Lango, Observatoire Oyo, pour la Bango Baki Baku Publiano, le Kola Yabango. Et Yabalo, c'est un fake fabriqué par les Zambiens. C'est ridicule que le soi-disant Observatoire américain pour les élections libres et transparentes publie un chiffon écrit en Zambie, tout en oubliant qu'aux États-Unis, plus de 100 millions d'Américains ne sont pas éligibles pour la présidence. Cette organisation est financée par les individus mafieux impliqués dans la spoliation des mines en RDC. Au moment de ma camionnette, j'en ai révélé. Manipulé par quelques politiciens pour la Colombie. Est-ce que vraiment les Américains ont le droit de s'interférer dans ma cambo pour ta seule proposition de loi naïe? Ils ont le droit de ça. Un Congolais peut avoir le droit de influencer la proposition de loi de côté de la Parlement. Est-ce que pour la Colombie, non, il y a des conséquences si nous avons des conséquences pour ta seule proposition de loi? Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit, comme en Amérique, personne ne peut qu'il n'y ait par hasard à qu'il n'y ait sa candidature dans la présidence. S'il n'est pas né sur le sol américain, aux États-Unis, aux Américains, au Botswana, dans la Congo, tu n'as pas droit parce que Botswana, dans le sol américain, tout ça, c'est une loi qui a été déjà adoptée dans le Parlement. Et Moutakolo, et chaque pays est indépendant et souverain. Il y a un autre qui a qualifié que tu as un coquette pour restaurer souverain. Mais vous nous imposez quoi? Vous nous montrez quoi? Vous nous dictez quoi? Donc, c'est triste. Quand on a dit que c'est triste. C'est très ridicule pour la communauté internationale qui se comporte comme des petits enfants voulant nous enseigner de la démocratie, or que ce sont vraiment eux-mêmes des violeurs de la démocratie qui ne dit pas son nom. Mais, nous sommes déjà en fin à régime États-Unis sur la domination du monde. Bientôt, un régime mondial, faut changer. Parce que, Namukilio, premier Moutou, ou Azaki puissant dans le monde entier, c'était le royaume Babylone. Royaume babylonien. Hein? Et Vimba, il commençait à blasphémer, profaner les choses de Dieu. Hein? Babylone Kwanzambe. Hein? Mbaramo Kwanzambe a renversé. Bon. Le royaume de Médès et de Perse et ya. Mais après Yangopé, Nzamba Bouakis. Royaume grec et ya. Nzamba Bouakis. Royaume babylonien et ya.
Nathan ou Yaba César Auguste, il a initié l'initiative qui va se recenser pour la première fois au temps de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Nathan Wana, c'est des Roms qui avaient la domination sur le monde entier. Mais il y a 300 ans après la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il y avait beaucoup de petits pays bah, comment qui peut comme mettre en puissance par rapport à Rome. Et Rome avait perdu la puissance. Hein? L'élo, Rome a comme on a souhaité une grande puissance. Mais là, c'était les États-Unis. Hein? Dans l'élo, on a joué. Ma coquille a dominé sur le monde, mais aussi tout comme il attend que Bambo Kébéré le quoi va courir car il était à Corée du Nord à bête qui courait d'ici ou à Alliés à États-Unis, missile pour la provocation parce que nous arrivons, nous toujours qu'il devient troisième guerre mondiale. Tabine et s'il ordre mondial et l'ingé changé et ça a déjà pris à co changer, mais besoin de bamoté. Nan a pris ça ma coquille, ba Chine, ba Russie, ba Zoua, ma coquille à co somba peu mindou qui ma casse autant de Kabila. Tant que vous rejetez Kabila, Kabila t'es même la Russie, ba Chine, ba Zouba, Iranoum, ba qu'est-ce que ça. Donc vous continuez toujours avec cette politique. Il y a quoi pour rejeter RDC, RDC au Balokan, pas Banoussou, Baye, Bazou, Nabango. Vous vous laissez toujours derrière. En tout ça, donc on est sur la souka parce qu'il y a encore une autre mission qui nous attend. Moi, la manière là, Nelly Bosso la Bino. Mbote Paya, Maman Sarah Lilonga, Kounana Katia Angola. Numéro dans la téléphone plus 243 89 92 51 866. En tout cas, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Au revoir et à la prochaine. Prendre nos dispositions pour que Noël Tchani s'en explique devant la justice américaine. Et nous avons également interpellé le département d'État américain à ce sujet. Et nous attendons une réaction ferme, conclut Madame Covino. Anande, Ezamalo Babalobi. Wana, Yoka, Noël Tchani, Makamalobi, réponse, Ndeto Souksawana, réponse à Noël Tchani, Wapisi Bango. Noël Tchani répond. La réaction contre le communiqué de l'Observatoire américain pour les élections libres et transparentes, AOFF, et Noël Tchani parle d'un chiffon dirigé en Zambie par la consommation des Grecs, Italiens, Israéliens. Et le Kwana, et Zabiloko Moko, et Salami Nakati à Zambie, politique Moko, et Salami Nakati à Zambie, Baketik Lango, observatoire Oyo, pour la Bango Bagi Bako Publiano, le Kola Yabango. Et nous avons dit, c'est un fake fabriqué par les Zambiens. C'est ridicule que le soi-disant observatoire américain pour les élections libres et transparentes publie un chiffon écrit en Zambie, tout en oubliant qu'aux États-Unis, plus de 100 millions d'Américains ne sont pas éligibles pour la présidence. Cette organisation est financée par les individus mafieux impliqués dans la spoliation des mines en RDC. Au moment de ma campagne, il y a été révélé. Quand on dit qu'à la biseau, on est tout ça. Ils ont dit qu'ils ont manipulé par quelques politiciens dans la biseau pour la colombe. Est-ce que vraiment les Américains ont le droit de s'interférer dans ma cambo pour ta seule proposition de loi? Ils ont le droit de ça. Un Congolais peut avoir le droit de influencer la proposition de loi pour que tu aies le parlement. Est-ce que pour la colombe, non, il y a des conséquences? Quelles conséquences? Pour ta seule proposition de loi. Ce que nous avons dit, c'est comme en Amérique, personne ne peut qu'un des cas par hasard à que nous couper sa candidature dans la présidence. Il n'est pas né sur le sol américain aux États-Unis, aux Américains, au Botama de la Kata Congo, tu n'as pas droit parce que au Botama de la sol américain, tout ça c'est une loi qui a été déjà adopté dans le Parlement. Et Mouta Kolongola, et chaque pays est indépendant et souverain. Il y a un autre qui a qualifié que nous allons restaurer souverain. Mais vous nous imposez quoi? Vous nous montrez quoi? Vous nous dictez quoi? Donc, c'est triste. Quand on a dit que nous allons faire, c'est triste. Nous allons faire un peu de temps. Et c'est très ridicule. Mais pour la communauté internationale qui se comporte comme des petits enfants, voulant nous enseigner de la démocratie, or que ce sont vraiment eux-mêmes des violeurs de la démocratie qui ne dit pas son nom. Mais, Baye Bakake, nous sommes déjà en fin à régime États-Unis sur la domination du monde. Bientôt, un régime mondial, il faut changer. Parce que, dans mon culot, premier moutou, ou à qui puissant dans le monde entier, c'était le royaume Babylone. Royaume babylonien. Hein, et Vimba, il commence à blasphémer, profaner les choses de Dieu. Hein, Babylon Kwanzambe, hein, Mbaramo Kwanzambe a renversé. Bon. Le royaume de Médès et de Perse est là. Mais après, il y a un peu. Nzamba Bouakisa, le royaume grec est là.
nzamba boakis royaume babylonien ayant la temps où il y a César Auguste il a initié l'initiative que Batba s'est recensé pour la première fois au temps de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Nathan Wana, c'est de Rome qui avait la domination sur le monde entier. Mais il y a 300 ans après la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il y avait beaucoup de petits pays bah, comment qui peut comme mettre en puissance par rapport à Rome. Et Rome avait perdu la puissance. Hein? Les lots, Rome a comme on a souhaité une grande puissance. Mais là, c'était les États-Unis. Hein? Dans les lots, on a joué. Ma coquille a co-dominé sur le monde, mais aussi tout comme il attend que Bambo que donne le quoi va courir car il était à Corée du Nord à bête qui courait d'ici ou à allié à États-Unis, mais c'est pour la provocation parce que nous arrivons, nous toujours qu'il devait la troisième guerre mondiale, la bine et s'il ordre mondial et l'ingé changé et ça a déjà pris à co changer, mais besoin de bamboté n'a mais après ça ma coquille Chine barissi bazou à ma coquille à co somme à peu mindou qui ma casse autant de Kabila tant que vous rejetez Kabila Kabila t'aime la barissi barissi Chine bazou ba iranoum ba que ça. Donc vous continuez toujours avec cette politique. Il y a quoi pour rejeter RDC, RDC au Balokane, pas Balmoussou, Baye, Bazou, Nabango. Vous vous laissez toujours derrière. En tout ça, donc on est sur la souka parce qu'il y a encore une autre mission qui nous attend. Moi, la manière là, Nelly Bosso la Bino. Mbote Paya, Mama Sarah Lilonga, Kounana Katia Angola. Numéro dans la téléphone plus 243 89 92 51 866. En tout cas, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Au revoir et à la prochaine.